Rebonjour à tous, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On est là sur la suite de Portal 2, la suite au niveau 27 que je vois en arrière-plan sur mon écran. Et je me fais déjà graisser les oreilles, merci. On continue la suite de l'aventure en espérant que ça se finisse bientôt. Je ne sais pas quand, ni comment, ni. J'ai hâte que ça soit fini. J'ai hâte Si de vous voir le faites port. Partie du groupe témoin Kepler 7, nous avons implanté dans votre crâne une minuscule micropuce de la taille d'une carte postale. Vous avez sûrement oublié jusqu'à sa présence, mais si elle se met à vibrer et à sonner pendant le prochain test, avertissez-nous. Ça veut dire qu'elle va dépasser les 200 degrés et qu'on doit vous la retirer à rapidos. D'accord, bon, bref. Alors là, faut qu'on aille en haut. Alors, tac, tac. À faire la terre. Voilà. Ça, je sais pas ce que c'est. Bizarre. Hop. Oh bah dis donc, attends. D'accord. Ça me laisse soi-disant le temps de passer. Et ça, du coup, c'est quoi? Je me mange directement la barre. Voyons voir. Ça. La grande chose. Lui, je fais ça. Ok. Alors. Peut-être un petit problème, non? Ouais. Ah. C'était pas ça que je voulais faire. Ah, oh, attends. Ok. Franchement, il panique pour rien. Le prochain test comporte un tout petit peu de voyage dans le temps. Un conseil, si vous tombez nez à nez avec vous-même, ne vous regardez pas dans les yeux. Le temps risquerait de s'écrouler sur lui-même. Bref. Laissez-vous tranquille, et tout se passera bien pour vous, comme pour vous. C'est quoi ça? Parce que du coup, faut que j'aille là, et du coup, après, faut que j'aille là, donc. Là, c'est de la flotte, évidemment, j'en étais sûre. Celle-là. Yep, à la flûte. Il panique pour rien. Le prochain test comporte un tout petit peu de voyage dans le temps. Un conseil, si vous tombez nez à nez avec vous-même, ne vous regardez pas dans les yeux. Le temps risquerait de s'écrouler sur lui-même. Bref, laissez-vous tranquille et tout se passera bien pour vous, comme pour vous. La fille trop conne, c'est qui oublie littéralement le la sortie que j'avais mis là. Attends, du coup. Du coup, ça. Oui, attends, ça c'est pas bon, mais. Voilà, attends. C'est peut-être un truc là à faire. Putain, je suis con, je sais pas, je suis mal. Alors, attends. Ok. Mais du coup, comment faire comme ça? Je vois pas ce que ça. Ça peut m'amener. Est-ce que... Attends, allez, je commence à me prendre la tête. Moins que... Putain, c'est fort. Ok. Ah, ok, attends, oui. Je pense avoir compris mon affaire. Alors. Faut créer un truc qui va là. Là-haut, ok. Ici.
J'étais prêt. Ah, ça fout la gerbe. Ok, alors attends. Comment? On va y aller doucement. Bon. Alors. Le souci c'est que si je plonge, okay. Heureusement j'ai pas fait l'inverse du coup. Je viens de voir. Oh non. C'est un retour de l'enfer. Ok, donc j'ai trois parcelles. Une doit aller là-haut. Ça, c'est sûr. Mais le souci, c'est que... Là, je fonce directement. À aucun moment, je vais pouvoir me réceptionner. D'accord. Rien. Là, je fonce directement là-dedans. Autant que ça soit pour la suite. Hein. Allez. Yeah. Bon. Alors, on aura une meilleure vie. Alors. Là, numéro 28, ouais. Il est beau, hein. Ok. Ah, intéressant. J'ai pu me sauver. Ok, bon. Alors. Ça, je vois le saut. On va aller là-haut. Il doit y avoir une vitre issue quelque part. Moins que... Non. Ah, attends. Vous aurez été trop... Je pense qu'en fait, j'ai presque trouvé, mais qu'il manque encore un truc. Je pense. Le souci c'est que j'ai peut-être. Attends, allez. Heureusement qu'on n'aura pas de chute, de dégâts de chute. Ça, ça doit bien servir à quelque chose. Ça, là, ce truc là, s'il est là, il sert pas qu'à décorer. Tac, 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 tac. Ah. Oh, c'est encore un truc de dingue qu'il va falloir que je fasse, je suis sûre. Imaginons, j'aurais peut-être un peu mieux.
je vois pas d'autre solution. Je peux pas créer. Ça, c'est sûr. Ça, là, tu vas faire ça, tu vas atterrir là. Imagine. Tu sautes là, tu vas là. Je sais pas, je pense que tu vas atterrir là. Ensuite, tac. Là, étant donné qu'il n'y a rien. D'accord, ok, donc c'est vraiment... Je sais pas, je tiens ces choses parce que je ne comprends pas moi. Oui. Putain, je suis... Ah bah, je les ai bien mis. Ça y est! Mon cerveau vient de comprendre. Je crois avoir compris. Ok, je ne peux pas y arriver si j'ai pas les boucles bleues. Donc.
Tardy. Ok, maintenant. Ok. Bah oui, c'est vrai que c'est plus logique comme ça. Hein. Ça. Du coup, là, si je fais ça, normalement, je devrais atterrir là-haut. Maintenant, reste à voir si ça va fonctionner. Si vous entendez ce message, c'est que vous passez trop de temps sur les passerelles entre deux tests. D'après les gars du labo, ce serait une réaction de crainte. Sans être psy, venant d'une bande d'athéos pas foutus d'apprécier le frisson du danger s'ils venaient leur dégrafer leur soutif en dentelle, je dirais qu'on a affaire à une projection. Qui est allé dans l'espace? Qui a participé au débarquement? Qui a décroché une médaille d'or? Eux? Ça me ferait mal. Vous, vous êtes la niaque, ça me plaît. Attirez un peu, ça sera parfait. C'est sur ce niveau 28, si je me trompe pas, qu'on a vu sur le petit cadran là, qu'on va s'arrêter là. Je vous souhaite une excellente vidéo et à bientôt pour de nouvelles aventures sur Portal 2.